Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer et un pied de nez au Cassandre de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Le Torino ne gagne plus, mais alors plus du tout. Oui, c'est un constat assez terrible. Hein. Je ne sais même plus à quand remonte le dernier succès. C'est long, trop long. Et la grogne commence à monter. Honnêtement, je ne sais pas quel est le problème. Mais entre les erreurs individuelles et le manque de réussite, pour arrêter cette série, il va falloir du changement. Et le coup d'envoi a donc été donné. C'est pas mal comme affiche pour débuter cette seconde partie de championnat. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Peut-être Christian Benteke, qui a toutes les qualités d'un grand avant-centre. C'est un vrai point de fixation pour son équipe. Mais il n'oublie pas d'y aller seul parfois. Oui, c'est évident, pas de surprise. Belotti. Le Torino qui vit une semaine. Il va être sanctionné. Il est servi. La passe dans la profondeur. La Lazio qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. C'est joué long. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ça joue à gauche. Ça va sur l'aile. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le bon ballon. Immobilier. Le bon dégagement. L'ouverture lumineuse. Belotti qui a un peu d'espace. Pour Baselli. Le jeu repart vers la droite. Changement d'aile. Magnifique. Le Torino qui a déclenché la polémique après sa dernière défaite, surtout sur les choix de son entraîneur. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il a fait des choix discutables, voire carrément suspects, si vous voulez mon avis. Là, il a préféré jouer la sécurité. Benteke. Cette attaque n'a pas pu se développer. L'arbitre signale une faute. Pour trouver la faille dans la défense. Il fait du bien ce tacle. Ça sort, oui, ce sera un corner. Ce sera le premier corner du match. Immobilier. Non, non, ça ne passera pas. C'était bien tenté. Ils étaient deux sur lui quand même. Le bon dribble. Voici Zaza. Récupération sans se livrer, c'est bien joué. Avec Belotti. Lucas. Qui a mis son pied en opposition. C'est joué long, attention. La Lazio qui récupère ce ballon. Va-t-il en profiter? Un centre tendu, à terre. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ça va vite, oh, s'il lève la tête. Un ballon devant la cage. Allez, c'est dangereux. Oh, Sirigu, super arrêt. Nouveau centre. Benteke. Et but pour la Lazio. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque.
Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. La Lazio qui termine la première période comme d'habitude ces temps-ci, avec un but. L'interception au bon moment. La Lazio qui cherche l'ouverture. Il joue dans l'espace. Ça revient dans l'un. Il tire. Quelle intervention du gardien. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Benteke. Oh, elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Arnold. Zaza. Il glisse le ballon en profondeur. Benteke. Oh, c'est un arrêt important ça. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Et bien sûr, s'appliquer l'importance du coup de pied arrêté. La défense s'en sort là. Au nouvel essai. Ça ne passe pas. La passe dans la profondeur. Belotti. Belotti. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Il mène donc 1-0. Pour trouver la faille dans la défense. Le drapeau s'est levé, hors jeu. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Votre analyse sur cette première période? C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. Ils ont clairement dominé dans ce domaine. Espérons un peu plus de réalisme en second mi-temps. La Lazio, qui est donc devant, à mi-parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit but. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Et pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Lucas. Quelle passe. Oh, attention, Immobilier. Oh, le gardien est là, la classe. C'est un super arrêt, fine save. Zaza. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, voici Benteke. C'est bien ce qu'il fait là.
faute. Il joue long. Zaza. Baseli. Iago Falque. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il joue dans l'espace. Faut tirer là. Oh, le but. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Il joue bien le coup là. Ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. Le break est fait, on est reparti. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Zaza. Belotti qui choisit le côté gauche. Immobilier qui est marqué de très très près. C'est logique, vu ce qu'il leur a déjà fait. Chat échaudé craint l'eau froide, comme vous dites. Le long dégagement du gardien. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Savic. Le Torino tient bien le ballon, mais n'arrive pas à créer le danger. Le gardien loin devant, mais il était bien présent. Lucas. Benteke. La faute. La tentative. Oh, Sirigu, superbe arrêt. Et l'arrêt, magnifique. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Arnold. Et ils vont effectuer cette touche. Un peu de coaching, c'est bien. Rincon. Et on va avoir droit à une nouvelle touche. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Il tente de la jouer dans l'espace. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Dégagé loin. Rincon. C'est bien donné. Badelj. Avec Rincon. Il glisse le ballon en profondeur. Arnold. Qui est à l'heure actuelle le meilleur passeur de cette équipe. Voici Zaza. Lucas. Le parfait, l'arbitre laisse jouer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. C'est joué long, attention. Ça peut aller au bout, pour frapper là. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'était une meilleure finition. Grand dégagement le plus loin possible. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Badelj.
Il y a peut-être un coup à jouer. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une action digne de son talent. Oui, mais il prend la mauvaise décision au final. Dommage. Pour trouver la faille, il tente sa chance. Oh, il centre. C'est parti. Et c'était cadré. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. C'est bien fait, ça. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ils tentent de la jouer dans l'espace. Oh, l'aspiration. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Badelj a joué crânement sa chance. Une bonne interception et derrière un tir qui ne passe pas loin. C'est du bon boulot, c'est bien joué. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Rincon. Oh, très bon ballon. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Sirigu qui soulage sa défense. Parolo. On va jouer 2 minutes de plus. Belle passe lobée. Il joue dans l'espace. Allez, ça peut faire mal. C'est Benteke qui... Quelle détente! Ah, quel dommage, ce succès qui leur échappe sur cette ultime tentative. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement, elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Gagner sans prendre de but, c'est la base. Et à la fin, toute l'équipe est happy. L'attaque a réussi et les défenseurs n'ont pas lâché. Voilà un vestiaire donc plein de sourires. Voilà Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Merci Grégoire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.